Bonjour à tous pour cette nouvelle édition de Cosmocène. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, mais d'un sujet assez délicat aussi, qui est celui de la gouvernance de l'Union européenne. Alors pourquoi je dis délicat? Parce que c'est un sujet qui est assez récurrent, somme toute, dans la construction européenne. On y revient avec une certaine régularité et toujours, en général, dans une certaine forme d'agitation et de crainte. C'est peut-être le cas aujourd'hui, puisqu'on sent justement cette agitation du côté de Bruxelles et du côté aussi de la capitale des États membres. Et je vais revenir là-dessus, mais je voudrais d'abord remercier et présenter mes deux invités aujourd'hui. Donc, Olivier Costa, vous êtes directeur de recherche au CNRS, CEVIPOF, et directeur des études politiques au Collège d'Europe, grand spécialiste des institutions de l'Union et du Parlement en particulier. Et vous venez de remettre, à la demande de la Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen, la commission AFCO pour les amateurs d'acronymes, un rapport très important et très intéressant sur les perspectives pour l'Union, enfin la gouvernance de l'Union européenne. Je mettrai bien sûr le lien en commentaire de cette vidéo et j'invite tous les auditeurs à lire ce document qui est un document qui non seulement fait des propositions mais revient aussi sur l'histoire d'une certaine façon des différentes méthodes à l'œuvre quand il s'agit de gouvernance européenne. Et puis Sandro Gozzi, vous êtes député européen élu sur la liste Renaissance en France tout en étant italien. Vous êtes un ancien secrétaire d'État aux affaires européennes italien. Vous êtes membre précisément de la Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen, la Commission AFCO. Et vous êtes également secrétaire général du Parti démocrate européen et, last but not least, président de l'Union des fédéralistes européens, l'UEF. C'est toujours très long de vous présenter, Sandro. Alors, la conférence sur l'avenir de l'Union européenne vient de se clore en mai de cette année. Parmi les recommandations qui ont été faites par cette conférence et par les citoyens eux-mêmes, il y a justement des recommandations relatives à la gouvernance européenne. Donc, je disais précédemment qu'Olivier avait remis un rapport à la commission AFCO. Alors, il se trouve que la commission AFCO, le même mois, en juin, Sandro, vous et vos collègues, vous avez voté une motion pour une résolution relative à la convention pour la révision des traités, dans laquelle il y a des propositions très concrètes qui sont sur les réformes institutionnelles à introduire. Et puis, je termine sur la présidence du Conseil de l'Union européenne qui vient de commencer, qui est celle qui est menée par la République tchèque. Or, il se trouve que parmi les premières choses qu'a fait cette République tchèque en prenant la présidence tournante de l'Union européenne, ça a été de proposer un questionnaire aux États membres pour savoir, justement, pour les sonder un peu sur leur degré d'ouverture vis-à-vis de la question de la réforme de la gouvernance, pas nécessairement précisément de la réforme des traités, mais je pense que nous allons revenir sur cette question. Alors, ce que je vous propose, c'est de procéder de la façon suivante. On va, en fait, structurer ce débat qui va être court en trois moments. Nous allons d'abord nous poser la question de savoir pourquoi il faut changer la gouvernance européenne et pourquoi maintenant, avant de rentrer dans un deuxième temps dans le détail des réformes à envisager, puis dans un troisième temps de la question de la méthode à privilégier pour permettre la mise en place de ces changements qu'il va nous falloir introduire. Donc, on va commencer avec vous, Olivier, en revenant sur cette question du pourquoi et du pourquoi maintenant. À vous la parole. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de participer à Cosmocène et de discuter avec Sandro Gozzi. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut envisager la réforme de la gouvernance européenne? Je pense qu'il faut rappeler que l'intégration européenne a toujours été, pour utiliser un terme de jargon, fonctionnelle. C'est un système institutionnel original qui est chargé de servir des objectifs précis et de conduire des politiques. Et on peut dire que, d'une certaine manière, les institutions ont toujours été secondaires. La priorité a été donnée au pragmatisme, à l'efficacité, une espèce de politique par les résultats. Il fallait intégrer l'Europe pour éviter la guerre, intégrer l'Europe pour nourrir la prospérité, etc., etc. Et les institutions se sont toujours adaptées à ces objectifs, n'ont jamais été au centre du dispositif et n'ont jamais été pensées comme on les pense au niveau national ou quand on rédige une constitution, on pense peut-être d'abord aux institutions et ensuite aux politiques. Et donc, ces institutions ont néanmoins évolué au fil de l'histoire de l'intégration européenne, tout simplement parce que les besoins de légitimation évoluaient. On ne peut pas gérer de la même manière des questions de défense ou des questions de politique sociale et des questions de commerce ou des questions de normes techniques. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'Union a connu de nombreuses évolutions
notamment dans deux directions, celle du renforcement du Parlement européen à laquelle on assiste, disons, depuis 1979 avec la première élection directe du Parlement européen, mais aussi le renforcement de ce qu'on peut appeler la méthode intergouvernementale qui met l'accent sur les négociations entre les États membres au sein du Conseil et du Conseil européen. On a en fait deux évolutions qui sont un peu contradictoires dans les termes, puisqu'on peut penser que le renforcement du Parlement européen, c'est quelque chose de plus fédéral, tandis que le renforcement du Conseil européen, c'est quelque chose de plus intergouvernemental. Mais les deux évolutions apportent un surcroît de légitimation. Si on a plus d'implication des élus européens avec plus de pouvoir pour le Parlement européen, c'est utile pour décider de grands choix de société. Quand on décide de choisir plus de croissance économique ou plus de protection de l'environnement, ben il faut le faire sur un mode politique. Ce n'est pas les experts de la Commission qui peuvent décider de ça. De la même manière, si on décide de traiter de questions régaliennes, des questions de monnaie, des questions de défense, des questions d'immigration, des questions de sécurité, il faut impliquer les représentants des États pour que ce soit acceptable, puisque ce sont des compétences qui sont encore au centre de la souveraineté des États. Donc on a ces deux évolutions qui sont venues apporter un surcroît de légitimation, et en même temps, et c'est là que les choses sont un peu complexes, la méthode communautaire, celle qui a été inventée dans les années 50, qui est fondée sur le rôle central de la Commission notamment, eh bien, elle est toujours là. Elle est toujours là pour gérer les politiques les plus fondamentales, mais on pourrait dire qu'elle est grignotée des deux côtés, d'un côté par le Parlement européen et d'un autre côté par le Conseil européen. Merci Olivier. Alors, sur la question de l'intergouvernementalisme et du rôle joué par les Sherpas, je sais que Sandro parle souvent de Sherpacratie, qu'il aura sans doute l'occasion d'y revenir. Sandro, sur la question du pourquoi et du pourquoi maintenant, à vous la parole. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse d'Olivier Costa. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit parce que je me retrouve dans son analyse du développement institutionnel et des objectifs politiques et de la gouvernance européenne telle que nous l'avons connue jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais essayer d'écrire un peu les contextes politiques et géopolitiques dans lesquels nous nous trouvons parce que je trouve que c'est là la raison pour laquelle nous devons revoir la gouvernance européenne. Donc, ça va un peu compléter avec une autre perspective ce que Olivier Costa vient de nous dire. Pour moi, il est clair que la remise en cause de la gouvernance dépend des objectifs que nous voulons atteindre. Donc là, je suis tout à fait en ligne avec ce que Olivier avait dit. Pourquoi aujourd'hui on doit remettre en cause la gouvernance? Justement parce que nous avons des nouveaux objectifs qui demande une nouvelle forme d'efficacité et de légitimité. Et quels sont ces objectifs? On parle de la nécessité de construire une Europe militaire. On parle des puissances européennes. Et vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça c'est un changement fondamental. Parce que ce qui avait été créé après la Deuxième Guerre mondiale, c'était un antidote à l'usage de la puissance nationale, voire nationaliste, qui avait amené à deux guerres mondiales. Donc la puissance était quelque chose de les Européens s'est méfié. Et ils avaient un peu délégué, du reste, la sécurité lourde, la hard security, aux Américains dans le contexte de l'OTAN. Aujourd'hui, nous, les Européens, nous voulons être puissance. Et pour être puissance, il faut revoir la gouvernance. Puissance, nous voulons être puissance militaire, nous voulons être puissance numérique, nous voulons être puissance industrielle, nous voulons être puissance écologique, pour ne citer que quatre grands objectifs que nous voulons poursuivre. Pour cela, il est clair qu'il faut revoir la gouvernance, parce que ni la méthode communautaire classique, avec un rang central de la Commission, et ni les rôles du Parlement européen tel qu'il est aujourd'hui, ni la méthode entre gouvernements, qui est, en plus n'est pas véritablement entre leaders politiques, mais c'est, comme Tremel, tu le disais, entre Sherpas, entre conseillers du prince, derrière les coulisses. Cette Sherpacratie que je dénonce à plusieurs reprises ne peut pas être la base, la méthode, la gouvernance pour construire une puissance militaire qui va demander des choix fondamentaux, en demande des vies ou des morts, des émissions militaires européennes,
Et il est clair, donc, qu'il faut travailler pour une gouvernance qui augmente et l'efficacité, parce que pour répondre aux défis écologiques, industriels, militaires, il faut être plus efficace. Et à l'intérieur de cette efficacité, la notion de rapidité de la décision est un aspect fondamental, pas le seul, mais fondamental. Et de l'autre côté, il faut être plus légitime. Et voilà pourquoi la gouvernance doit évoluer du côté du Parlement européen, des forces politiques, de la démocratie transnationale. Merci. Alors, effectivement, on comprend que le moment est particulier. D'ailleurs, le rapport d'Olivier revient sur cette question des crises et le fait que l'Europe se fait au travers de ces crises. Et que si nous voulons une souveraineté européenne, évidemment, il faut donner les moyens à cette souveraineté de s'exprimer et que donc une réforme institutionnelle semble s'imposer. Donc, merci pour cela. Alors, concentrons-nous désormais sur la question beaucoup plus concrète du quoi. Beaucoup d'éléments sont à considérer quand il s'agit de considérer la réforme de la gouvernance européenne. Certains sont sans doute plus importants que d'autres. C'est ce que je vous demande d'expliquer. Quelles sont, selon vous, les priorités à avoir quand il s'agit de réformes institutionnelles donc à venir? Olivier, on commence avec vous. Je pense qu'il faut, une clarification. Il faut réformer les traités qui sont devenus trop complexes, trop ambigus. Bon, c'est un petit peu le jeu. On réforme les traités comme on peut, on arrive à des compromis qui ne sont pas forcément idéaux. Et l'idée est qu'à moyen terme, on arrive à clarifier les choses se décantent. On essaye d'y mettre un petit peu de l'ordre. Il faut y mettre de l'ordre pour deux raisons. Pour pouvoir mieux légitimer l'Union européenne aux yeux des citoyens qui ne comprennent pas grand-chose, et à raison, parce que l'architecture est trop complexe, et parce qu'il y a de nouveaux objectifs qui se dessinent, et que Sandro Gozzi vient de nous présenter. Je pense qu'en termes de priorité, il y en a plusieurs. La première, c'est de ne pas casser l'Union européenne dans ce qu'elle peut avoir d'efficace aujourd'hui. Je pense que toutes les réformes qui seraient trop ambitieuses et trop radicales pourraient amener à un blocage irréversible des institutions européennes. Et je crois que c'est un constat qui est largement partagé à Bruxelles. Les gens qui savent comment fonctionne l'Union européenne se gardent bien de proposer des choses qui soient trop radicales, parce que c'est un équilibre très délicat à maintenir entre beaucoup de points de vue et d'institutions. Ensuite, plus concrètement, il faut faire trois choses. D'abord, il faut sauver la méthode communautaire, qui a fait la preuve de son efficacité et qui est affectée depuis quelques années, Sandro Gozzi l'a dit, par ce processus de concentration de la décision au Conseil européen ou dans l'entourage des chefs d'État et de gouvernement. Si on peut considérer que les chefs d'État et de gouvernement sont légitimes pour prendre des décisions, en revanche, leurs conseillers, leurs sherpa n'ont aucune légitimité pour ce faire. Et il y a une vraie dérive depuis une dizaine d'années qui n'est pas acceptable. Deuxième objectif, il faut renforcer les pouvoirs du Parlement européen, mais être prudent en la matière, car je ne pense pas qu'on puisse faire fonctionner l'Union européenne, en l'état actuel des choses, comme une vraie fédération. Le degré d'intégration de l'Union européenne n'est pas suffisamment fort pour que les gens acceptent qu'on ait un jeu politique simple, comme on peut l'avoir à l'échelle nationale. Troisième objectif, il faut lutter contre une renationalisation des politiques européennes, qui est une vraie tentation aujourd'hui, où à chaque fois qu'on n'a pas d'accord au sein du Conseil européen, il y a un peu la tentation de dire ben, « renvoyons ça au niveau européen ». Alors, je pense que le pragmatisme doit régner en la matière. Il faut tenir compte de la nature de chaque politique et du degré d'intégration qui est souhaitable pour chaque politique. Et on retrouve ça d'ailleurs dans les fédérations. Dans chaque fédération, on a un partage de compétences entre le niveau de la fédération et celui des États qui est différent en fonction de l'histoire du pays, en fonction des attentes des citoyens, et parfois la culture est du niveau fédéral, parfois du niveau des entités fédérées. Je crois qu'à l'échelle européenne, il faut se garder de tout simplisme. Là, il y a trois lignes. Il faut conserver donc un rôle central de la Commission pour la gestion des principales politiques et du budget. Il faut sanctuariser ça. Il faut ensuite accroître le rôle du Parlement européen pour toutes les décisions qui appellent des choix de société, des choix politiques. Quand on décide d'interdire ou pas le glyphosate, ce n'est pas une décision technique, c'est un choix politique. Est-ce qu'on veut une agriculture plus productiviste ou une agriculture plus respectueuse de la nature? On ne peut pas faire les deux à la fois, et à un moment donné, il faut faire un choix politique, et c'est là que le Parlement européen doit être convoqué. Et il faut enfin conserver un rôle central pour le Conseil européen, mais seulement pour ce qui concerne les politiques régaliennes, c'est-à-dire les politiques qu'on ne peut pas imaginer pour l'instant sur un mode fédéral. La défense, la sécurité,
certains aspects de l'euro, les migrations, l'élargissement de l'Union européenne. Là, il est important que le Conseil européen garde son rôle. Et je ne crois pas à la généralisation de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen. C'est une idée qui circule beaucoup, l'idée qu'il faut en cesser avec l'unanimité au sein du Conseil européen. Pour certaines politiques, certainement, mais pas pour tout. Sur le sujet, par exemple, des rapports de l'Union européenne avec la Russie, il vaut mieux avoir une décision qui est un plus petit dénominateur commun, qui est difficile à négocier, qui ne va pas être très ambitieuse, mais qui va être unanimement soutenue par les 27, que de voir une décision prise à la majorité qualifiée et les États qui seraient mis en minorité contester immédiatement, publiquement, ces décisions et de dire « on a été mis en minorité, on n'est pas du tout d'accord, ceci ne nous engage pas ». Donc je crois qu'il faut faire preuve vraiment de prudence dans la réforme. C'est toujours tentant de penser qu'on va tout réécrire, tout changer, tout clarifier, mais je crois vraiment à la nécessité d'être respectueux des attentes des uns et des autres, des différents points de vue, et de faire évoluer les institutions en douceur, comme ça a été le cas depuis 70 ans. Oui, je suis personnellement très sensible à cet argument qui d'ailleurs est très, très largement partagé, hein, Olivier. Effectivement, c'est toujours le risque, hein, quand on met les mains dans la boîte de Pandore, c'est qu'en réalité, on arrive à un effet qui soit le contraire à celui qui était escompté. Et donc, on est au total, in fine, un fonctionnement qui soit peut-être moins bon que celui qu'on avait en partant. Donc, c'est un véritable sujet. Sur la majorité qualifiée, je pense que Sandro, vous allez avoir des choses à dire, parce que ça fait partie des propositions évidemment qui sont avancées par le Parlement. Même si on comprend qu'il y a des sujets différents, le domaine fiscal par exemple, c'est certainement différent que le domaine de la politique étrangère. Sandro, à vous la parole. Moi, je crois qu'il faut modifier pour atteindre les deux objectifs dont j'ai parlé, disons, pour renforcer les deux dimensions dont j'ai parlé pour atteindre les objectifs dont on a parlé. Et quelles sont ces deux dimensions? C'est la dimension de l'efficacité, c'est la dimension de la démocratie. Du point de vue de l'efficacité, il est clair qu'il y a une méthode qui a bien fonctionné, et qui est la méthode communautaire dont Olivier parlait, et qui est une méthode dans laquelle on décide, on approuve ensemble les lois européennes. On ne les appelle pas lois, mais on approuve ensemble les lois européennes, avec une décision partagée entre les ministres et les députés européens. C'est les décisions qu'on a prises et c'est une méthode qui est efficace, qu'on peut rendre encore plus efficace en travaillant sur la procédure législative, en accélérant, en facilitant la possibilité de décider en quelques mois, dans la première lecture, comme on l'appelle. Mais c'est une méthode dans laquelle les ministres qui ont une légitimité claire nationale, décident à la majorité, et les parlementaires européens décident à la majorité qualifiée les ministres, à la majorité absolue des parlementaires européens. C'est une méthode qui fonctionne. C'est une méthode que moi, je crois qu'on doit généraliser. Le seul domaine dans lequel je crois que cette méthode ne peut pas fonctionner, c'est la décision concernant l'élargissement. Parce que je crois que du moment où on décide d'avoir un autre peuple ou plusieurs peuples dans un État membre de l'Union européenne, il faut que tous les membres existants du club soient d'accord pour en accueillir un nouveau. Donc je crois que ça a du sens. Ça a du sens parce que c'est, disons, une décision fondatrice. Hein, et avec qui nous voulons vivre ensemble. Et je crois que personne ne peut être mis en minorité dans la décision d'élargir notre communauté. Mais pour le reste, je crois que des raisons d'efficacité et de rapidité devraient nous pousser à aller vers un système à la majorité. Système à la majorité, ça veut dire aussi éteindre les rôles du Parlement européen, parce que nous savons qu'il y a encore des domaines dans lesquels le Parlement européen est tout simplement consulté. Et ceci ne répond pas à l'autre besoin, qui est le besoin d'augmenter la dimension démocratique. Pour augmenter la dimension démocratique, il faut que le Parlement européen, qui est l'expression des citoyens de l'Union européenne, puisse légiférer dans tous les domaines dans lesquels l'Union européenne légifère. Il ne peut pas y avoir une loi européenne qui est adoptée sans l'approbation du Parlement européen. C'est une contradiction en termes et c'est un des éléments qui décourage les citoyens, qui rend l'Union invisible et qui rend l'Union éloignée. Évidemment, ceci va de pair avec une nouvelle dimension politique transnationale. Ceci, ça veut dire que nous devons travailler beaucoup plus
pour construire une dimension transnationale européenne aussi de la politique. Aujourd'hui, la politique se développe 99% uniquement dans une dimension nationale. Même aux élections européennes, on avançait débats nationaux. Nous devons construire une dimension véritablement européenne de l'espace politique, de la compétition politique, des partis politiques véritablement européens, parce que ça, c'est, disons, ce qui manque, c'est les gros trous qui manquent entre la forme qu'on a, qui est une forme déjà démocratique, même si moi je veux la développer, et, disons, la substance, qui n'est pas une substance des politiques réellement vécues et perçues au niveau européen. Donc, ces deux blocs vont ensemble. Les premiers blocs demandent des révisions des traités, évidemment. Les deuxièmes blocs, et je crois que les parlementaires européens doivent avoir aussi un droit d'initiative législative, qui peut-être vont exercer deux fois par an, une fois par an. Mais dans des domaines fondamentaux, il est clair que les représentants du peuple doivent pouvoir donner directement la voix au peuple. Et si les citoyens veulent une agriculture soutenable, écologique, pour prendre l'exemple d'Olivier, et si la Commission ne présente pas des propositions, nous devons dire non glyphosate, oui à ce modèle d'agriculture qu'on va introduire avec cette loi. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Et la question du Conseil européen, pour moi, est liée aussi à ce que je disais sur la chépacratie. Il y a eu une dérive du Conseil européen. Le Conseil européen était là pour déterminer les grands choix stratégiques fondamentaux, les grandes orientations politiques, les grands choix géopolitiques, les visions fondamentales. Il était là pour dessiner un contexte général, politique, à l'intérieur duquel les parlementaires et les ministres devaient travailler et devaient donner suite à ces choix stratégiques en adoptant des lois, en développant de nouveaux programmes pour les citoyens européens, pour les PME, pour les étudiants, en travaillant sur les budgets, etc. Aujourd'hui, à cause de cette dérive, qui est lié aussi au fait qu'il y a une concurrence entre les présidents du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne, mais ce n'est pas seulement lié aux personnalités de Charles Michel ou Ursula von der Leyen, c'était comme ça déjà de l'époque de Herman Van Rompuy et José Manuel Durão Barroso, vous avez une tentative du Conseil européen de s'attribuer des pouvoirs, des domaines, des travailleurs de domaines, c'est auto-donner, disons, les droits d'agir dans des domaines qui sont les domaines dans lesquels devraient être les parlements, la commission et les conseils des ministres à travailler. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a la question, les conseils européens devraient décider à la majorité de l'unanimité. Finalement, c'est une fausse question. Si les conseils européens revenaient à son rôle, mais du moment où le conseil européen veut absorber les pouvoirs décisionnels que dans la conception du système européen, devait être un système décisionnel octroyé au Conseil, reconnu au Conseil des ministres, au Parlement européen, à ce moment-là, il faut poser aussi la question, est-ce que les droits de veto au Conseil européen est encore justifié? Du moment où on veut sanctionner pour violation de l'état de droit un pays, est-ce qu'on peut accepter qu'au Conseil européen, quelqu'un puisse mettre les veto pour ces pays? Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la question, c'est aussi d'attitude. Moi, j'ai vécu les négociations européennes dans toutes les institutions. Parce que j'étais à la Commission, dans le cabinet des deux présidents de la Commission. J'étais au gouvernement, donc j'ai négocié au Conseil des ministres. Je suis parlementaire européen. J'étais au comité des régions comme conseiller d'un président des régions. Donc, j'ai vu ça. Et je vous assure que souvent, même quand on décide à la majorité, finalement, les décisions sont consensuelles. La différence, c'est que quand on sait qu'on décide à l'unanimité, quand chacun sait qu'il a les droits de veto, l'attitude de la négociation est beaucoup moins constructive. Et du moment, par contre, où on sait que tôt ou tard, on pourrait décider d'être à la majorité qualifiée, tout le monde, même les plus réticents, ont une attitude beaucoup plus constructive parce qu'ils veulent arriver à une décision acceptable pour tout le monde et ne veulent pas être minorisés et être mis en minorité, être, disons, marginalisés de la négociation. Donc, c'est pour cela que moi, tout en comprenant les arguments pour lesquels on peut dire que sur certaines questions, on devrait garder les consensus, je vous dis, dans la pratique, les consensus, on l'obtient beaucoup plus simplement
beaucoup plus facilement si chacun sait que tôt ou tard, on pourrait décider la majorité qualifiée. Merci, merci Sandro. Donc, en fait, vous êtes revenu sur les points. Je partagerai le lien, bien sûr, de la motion qui a été votée. Donc, on a compris une codécision systématique, un droit d'initiative pour le Parlement et un recours à la majorité qualifiée au Conseil. J'en profite pour rappeler aux auditeurs, parce que les questions institutionnelles sont quand même complexes, que sur la question du Conseil européen, qui est donc institutionnalisé depuis Lisbonne, désormais on a un carré en fait institutionnel et non plus un triangle, eh bien c'est vrai qu'il a pris un poids considérable, même d'ailleurs dans la discussion des points de détail, en laissant le Conseil de l'Union européenne, qui était celui qui était supposé partager la codécision avec le Parlement, devenir un peu des fois une forme de chambre d'enregistrement, ce qui est quand même un véritable problème. Donc ces questions, de toute façon, sont très dans le détail, on pourra évoquer beaucoup d'autres choses. Je sais que Olivier Costa, et j'invite encore une fois à lire son rapport, insistait beaucoup sur la fonction du Spitzenkandidat, dont nous n'avons pas encore parlé, qui est aussi pour lui un point symboliquement extrêmement important pour aborder la question institutionnelle. Terminons, je vous le propose, sur la question du comment. On a vu donc qu'il était, on l'a compris, hein, pour vous deux, il était besoin de s'en remettre à un changement de la gouvernance. On a compris quels étaient les points sur lesquels vous recommandiez, les leviers sur lesquels vous recommandiez d'appuyer. Alors posons-nous les questions de savoir comment. Est-ce qu'on a besoin, pour faire ce que vous suggérez, de changer les traités, de ne pas changer les traités? Quelle est la méthode, en somme, qu'il va nous falloir adopter pour faire en sorte que ces changements puissent être implémentés? On commence par Olivier, peut-être? Oui, moi je pense qu'il faut une révision des traités, si notamment on veut aller dans le sens de ce qu'indiquait Sandro Gozzi, avec lequel je suis d'accord dans les grandes lignes. Mais pour réformer les traités, ce n'est pas évident. Et il y a deux erreurs à éviter. La première erreur, ce serait d'utiliser la voie classique de la réforme, celle que prévoient les traités, faire une convention qui serait suivie d'une conférence intergouvernementale et d'une négociation au Conseil européen, sans débat public. Si on fait ça, on n'y arrivera pas. Il n'y aura pas de consensus au Conseil européen où il faut l'unanimité, ou alors on va avoir des échecs au stade de la ratification, comme on l'a eu pour presque tous les traités depuis 30 ans. Deuxième écueil à éviter, c'est de réformer les institutions sans réformer les politiques. Si on fait ça, comme on l'a fait pour la Constitution européenne au début des années 2000, on va se planter aussi, parce qu'il faut pouvoir dire à un moment donné, on réforme les institutions non pas parce qu'elles sont mauvaises, on réforme les institutions parce que l'Union européenne doit faire plus de choses, doit avoir des objectifs plus ambitieux, et pour ceci, il faut avoir des institutions différentes. C'est ce qu'on avait fait pour l'acte unique européen, c'est ce qu'on a fait pour le traité de Maastricht, c'est ce qu'on n'a malheureusement pas fait pour le traité constitutionnel, où on disait qu'il faut juste réformer les institutions pour les réformer, les gens ne l'ont pas compris. Donc je pense qu'il faut changer d'approche et s'appuyer, tirer bénéfice des travaux de la conférence sur l'avenir de l'Union, comme l'a indiqué déjà le Parlement européen dans sa résolution du mois de juin, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ses conclusions et que ces conclusions ont été largement alimentées par la réflexion des panels de citoyens. On avait 4 panels de 200 citoyens tirés au sort qui ont apporté du grain à moudre aux institutions. Donc le Parlement européen a commencé à suivre cette voie, l'idée de s'appuyer sur les conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne et de lier aussi les questions institutionnelles et les questions de politique publique. Et moi, je verrais bien la séquence suivante. Première étape, la conférence, on l'a eue, on a un certain nombre d'idées sur la table. Deuxième étape, une convention de révision des traités qui aboutirait à une proposition de nouveaux traités. Mais là, on ne passe pas directement au Conseil européen ou à la ratification. On fait de ce nouveau traité le sujet de la campagne pour les élections européennes de 2024. On organise la campagne pour les élections de 2024 autour des propositions qui sont sur la table à l'issue de cette réflexion, dans l'espoir d'avoir en 2024 une coalition au Parlement européen de partis qui soutiennent l'idée d'avoir un nouveau traité, d'avoir une réforme des institutions. À ce moment-là, le Conseil européen pourra formaliser réellement les choses, dire « voilà le nouveau traité », on pourra lancer la ratification, mais la ratification se fera dans la dynamique des élections européennes de 2024 avec une forme de légitimité pour ce nouveau traité qu'on n'avait pas en 2003, en 2004, quand on a essayé de ratifier le traité constitutionnel européen. Et ça permettrait de surmonter les résistances, les vétos nationaux auxquels on risque de se heurter si on fait autrement. Bon, alors, c'est cette loi fondamentale. Il faudra évidemment éviter à tout prix le mot « constitution ».
Si elle était discutée dans ce contexte, évidemment, ça permettrait, mieux que n'importe quel autre sujet, d'européaniser une bonne fois pour toutes le débat à l'occasion des élections. Ça exigerait cependant que les partis aussi, bien sûr, soient de la partie, c'est le cas de le dire, qui joue le jeu. Mais c'est une proposition que nous avons bien notée. Sandro. Moi, je continue avec mon binôme et démocratie-efficacité. Donc, je me retrouve du point de vue des deux dans la proposition que Olivier a faite. Bah, évidemment, il faut modifier les traités. Modifier les traités parce que pour faire ce qu'on a dit, il faut faire, nous voulons faire, il faut modifier les traités. Il faut modifier les traités pour élargir les domaines dans lesquels les parlements décident ensemble aux ministres, dans les conseils, les lois européennes. Pour modifier les traités, pour reconnaître un véritable droit d'initiative législative au Parlement européen, et pour modifier les traités pour rendre plus efficace la décision dans des domaines tels que la défense, et pour modifier les traités pour renforcer et stabiliser les compétences de l'Union européenne dans le domaine de la santé, pour réviser les traités pour faciliter la décision et l'organisation d'une véritable autonomie dans le domaine de l'énergie, pour ne prendre que quelques exemples qui sont au cœur du débat et aussi des préoccupations de nos citoyens, voir les prix de l'essence, voir la question des sanctions contre la Russie. Donc, évidemment, il faut modifier les traités. Il faut modifier les traités en sachant qu'on a déjà entamé ce processus, parce que finalement, la conférence sur l'avenir de l'Europe était une partie d'un processus des réinventions de l'Union européenne qui devait être ouvert aussi à des éventuelles révisions des traités. Dès le départ, nous l'avons conçu ainsi. Plus ambigu, ce sont les gouvernements au sein du Conseil, mais du point de vue qu'elle est nôtre du Parlement européen, et surtout du point de vue des citoyens, la conférence était un exercice démocratique libre dans lequel il fallait que les meilleures idées pour améliorer l'Europe puissent émerger. Ceci était le cas. Il y a pas mal des citoyens qui entraîne aussi des révisions des traités. Donc, pour moi, le processus de révision des traités a été entamé et commencé. Il faut les poursuivre, d'où l'essence de notre résolution qui demande d'activer formellement la procédure de révision des traités, qui devrait passer par une convention. Et moi, j'aime bien, et je passe aux côtés, à l'autre élément de mon binôme, la démocratie. Comme il est difficile de penser que cette révision des traités puisse être achevée complété avant mai 2024, je crois que c'est une très bonne idée si on voit qu'on ne peut pas achever la réforme, terminer la réforme avant, de stabiliser un projet de réinvention des réformes de l'Union européenne et les soumettre au débat public à travers les élections européennes. Mais là, il y a l'autre dimension politique et démocratique. Il faut que ceci soit fait avec d'autres innovations politiques majeures. Il faut que les citoyens puissent discuter de quel projet européen souhaitent-ils. Est-ce qu'ils veulent cette Europe qui, avec la révision des traités, de devenir plus efficace et plus démocratique? Et ils devraient aussi pouvoir décider la tête de l'exécutif européen. Donc, il devrait pouvoir voter directement la candidate ou les candidats à la présidence de la Commission européenne, qui à terme devrait devenir président de l'Union européenne. À terme, pour moi, il faudrait que les fonctions des présidents des commissions et conseils soient fusionnées. Mais pour 2024, déjà, les citoyens européens devraient pouvoir voter directement la femme ou l'homme qui ils estiment la plus adéquate ou les plus adéquats pour être les présidents de l'institution qui détient la plupart du domaine du pouvoir exécutif, la plupart, hein, pas, à savoir la Commission européenne, mais ceci ne doit pas être une fiction, ceci doit être une réalité. Et pour que ce soit une réalité, il faut que cette présidente soit la tête, la numéro un ou le numéro un d'une liste, soit la tête de liste d'une liste qui existe vraiment. Parce que cette idée de Spitzenkandidat, qu'on comprend seulement nous trois, et peut-être Juncker et Schulz, mais bon, à savoir avoir un candidat tête de liste à la présidence de la Commission européenne a du sens concret pour nos citoyens
seulement s'il y a la liste. Et c'est pour cela que nous devons introduire, et nous avons déjà adopté cette réforme au Parlement européen, nous avons réformé la loi électorale européenne. Maintenant, le Conseil doit décider sur cette nouvelle loi électorale européenne que nous avons proposée. Et c'est une loi électorale qui a beaucoup d'innovations, mais qui, pour la première fois, donne la possibilité d'élire 28 députés européens à travers des listes nationales, à savoir la même liste, les mêmes projets politiques, les mêmes 28 femmes et hommes qui se présentent dans l'ensemble de l'Union européenne. Et la numéro un, le numéro un de cette liste va être les candidats ou la candidate à la présidence de la Commission européenne. Et donc, on doublerait les pouvoirs des choix démocratiques citoyens européens, qui aurait un bulletin national, comme les bulletins avec lesquels je suis élu, du fait que les résidents en France ont décidé d'élire à la Renaissance, et un deuxième bulletin. Donc, ce serait deux bulletins. Dans le deuxième bulletin, il faudrait avoir Olivier Costa, candidat à la présidence de la Commission européenne, de la liste Collège Europe de Bruges, ok. Et moi, quand je vote la liste Collège Europe de Bruges, je sais que si cette liste gagne, Olivier Costa est président de la Commission européenne. Et donc, voilà. Et ça serait d'ailleurs un très bon président. Et donc, évidemment, on dépasse, on résout avec cet arrangement, qui est un arrangement technique, mais on résout plein de questions qu'on a posées dans je ne sais pas combien de thèses de doctorat à Sciences Po. Parce qu'il est clair que du moment où mes voisins ici, ils ont deux bulletins, ils vont lire, mais qui est Sir Olivier Costa s'ils ne les connaissent pas? Ah, j'aime bien ce type. Ah bon, c'est le président. Et donc, c'est comme ça. C'est clair qu'avec les deux bulletins qui vont arriver dans les mains des 400 millions, parce que c'est 400 millions d'électeurs, 380, je crois, hein, millions d'électeurs, il est clair qu'on va combler une bonne partie du manque d'information, du manque de compréhension, des distances entre les institutions européennes et les citoyens. Et ceci, si vous pensez des élections 2024 où on va discuter des réformes des traités, on va choisir directement par choix démocratique les nouveaux présidents de la Commission européenne, et en plus on met les bases des véritables partis politiques européens dans de la dimension européenne de la politique, on aurait fait un pas en avant majeur dans l'Europe citoyenne que nous voulons. Merci Sandro. Spitzen candidat, une élection, deux votes. Donc voyons si les mois qui vont venir, les années d'ailleurs avant les prochaines élections, permettront de trouver une solution à cette question. Et si les États membres et les partis politiques seront de la partie, ça c'est toujours une interrogation, notamment dans votre pays, Sandro, on verra ce qu'il en sera, parce qu'on est en train de regarder très près ce qui est en train de se passer. Je tiens à vous remercier pour cet excellent débat. Je pense qu'on va se revoir, parce que de toute façon, la question est très très loin d'être résolue encore, et elle va très certainement grossir en importance dans les mois qui vont venir. Merci à tous les deux, et à un prochain rendez-vous. Merci.